Bonjour tout le monde, je vais vous montrer le mouvement du squat avec trois difficultés. D'accord ? Donc première difficulté, je vous invite à prendre un tabouret. Vous vous mettez pied largeur de hanche, pointe de pied vers l'extérieur. Si vous voulez vous équilibrer, vous mettez les bras devant vous. Et là, vous emmenez les fesses vers l'arrière et vers le bas. Et vous remontez. Je vous le montre de profil. Même chose, pied largeur de hanche. Je monte mes bras pour l'équilibre. Je pense à bien regarder devant moi. Et là, j'emmène mes fesses vers l'arrière et je remonte. Voilà pour le niveau 1. Pour le niveau 2, vous enlevez votre tabouret et vous faites la même chose sans tabouret. Donc toujours pied largeur de hanche, les mains devant moi, j'enlève mes fesses vers l'arrière et mes fesses sont envers ma ligne de genou. D'accord? Je remonte et je me remonte de profil. Toujours pied largeur de hanche, les mains devant vous, mes fesses vers l'arrière et vers le bas. Je m'arrête à ma ligne de genou, je repousse mon talon et je remonte. Donc je refais un. Ok. Et pour le dernier niveau qui est niveau 3, on part sur le squat complet. Cette fois-ci, on va dépasser la ligne de genoux. On essaie de descendre les fesses vers le sol. Donc je repars, position de départ. Pieds sous les hanches, main devant moi et j'emmène mes fesses vers l'arrière, vers le bas, toujours. Mais cette fois-ci, je viens emmener mes fesses le plus proche du sol. Je vous le montre de profil. Regardez, mes fesses vont descendre en dessous de ma ligne de genoux. Et je remonte. Pensez bien à garder vos genoux vers l'extérieur. Et poussez en talon. Voilà, bonne journée à vous et bon confinement.